Sur nos routes humaines, un jour il nous rejoint, il nous parle et devient un ami. Il change nos regards, nous indique un chemin qui nous mène au cœur de son pays. On y voit des collines, de la vigne et du vin, des fontaines et de beaux champs de blé, et des mains fraternelles qui partagent du pain pour nourrir la foule affamée. Oh, oh. Dans nos vies, nos espoirs, nos désirs, comme l'amour au fond de nos cœurs, pour assouvir nos fins, nos rêves d'avenir, il éveille un monde de bonheur. Il parle des puissants qui mordent la poussière et des humbles qui sont relevés. Malheur aux orgueilleux, aux cœurs durs comme pierre, mais les pauvres seront comblés. On y découvre un père qui regarde l'horizon pour guetter le retour de l'enfant. Voyez ses bras ouverts au seuil de la maison, il accueille son fils en pleurant. On y voit sur la place une femme effondrée et les pierres que la foule saisit. Ils vont la faire mourir, elle sera lapidée, l'homme juste lui sauve la vie. Heureux les cœurs purs, les pauvres par l'esprit, le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pardonnent et redonnent la vie, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux même ceux qui pleurent, ils seront consolés, ceux qui ont faim et soif de justice, les artisans de paix qui sont persécutés, les grands rêves en Dieu s'accomplissent. Il est comme une musique qu'on entend aujourd'hui, une chanson d'amour et de bonheur. Elle est chantée par ceux qui la jouent dans leur vie, qui l'ont gravée au fond de leur cœur. Dans les mains qui partagent, dans les yeux des croyants, dans la vie plus forte que la mort. L'évangile est semé, l'évangile est vivant, et la moisson se lève encore.